Bon après-midi à tous, encore une fois. Merci de prendre place. Nous allons poursuivre. En discutant entre vous, vous avez sûrement appris, comme nous, le décès cet après-midi de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Alors, nous nous disions qu'il serait bon de peut-être vous offrir, à vous tous, une minute de recueillement pour les épreuves qui vous touchent plus particulièrement dans votre partie du monde. Alors, prenons une minute de silence. Merci. Nous sommes donc prêts à poursuivre ce travail. Nous avons déjà vu 3 objectifs parmi les 9 pour ce symposium. Il y a 3 autres objectifs. Si vous suivez avec le schéma sur votre table, ce sont les objectifs en bleu, donc en lien avec le 2e axe stratégique. Et donc, je vous les lis, c'est renforcer l'habitabilité des centres historiques, soutenir les activités qui régénèrent la ville et requalifier et décarboner les espaces publics. Alors, pour en discuter ou pour partir la discussion, je devrais dire, je cède la parole à M. Mato Franković, maire de Dubrovnik. Good afternoon to everyone. Thank you for giving me opportunity to speak about Dubrovnik case. At the beginning, I would like to start with one quote, and it is said by US President Lyndon Johnson, "When the burden of the presidency seems unusually heavy, I always remind myself it could be worse. I could be a mayor." So actually, this, thank you. This is something that stressed me at the beginning of my mandate back in 2017. That was my first mandate, being elected as a mayor, and 10 days after election, the major international medias had headlines about death of Dubrovnik. Dubrovnik, historical city, which was under the great pressure of the thousands and thousands of tourists walking everywhere. And actually, the life of the citizens of Dubrovnik was very, very heavy. And unfortunately, just 3 months afterwards, Dubrovnik was put on the list, again, of the major international medias as one of the 10 towns that should be avoided in the future times. So this is where we started. At that point, we said we have to change the course. The things were done for the years wrongly, and we have to change it. So actually, what we did, we implemented the project that we called Respect the City, meaning respected by the tourists that are coming to the city, and at the same time respected by its own citizens. And the main figure in our program was actually the citizen of Dubrovnik. We conclude that if our citizens are happy, then our tourists will be 10 times happier.
So what we did, we divided tourism in our city on different groups. The first one were overnight tourists. The second one were daily visitors. And the third one were cruise visitors. So the cruise visitors, from our point of view, were the easiest one to control and manage. But what we had up to 2017, we had cruise ships coming in Dubrovnik just 3 days per week, but regularly 5 of them at the same time. So this is around 10,000 of people going in small, tiny town, which is big as one cruiser. So the 10 cruise ships were coming there. So I did a bit of survey, and I found that there is an organization that actually gathers majority of cruise ship companies. Because we said, if we approach to each of the cruise company and say, listen guys, we need to change this a bit, then if we agree with one company, the another one will say, okay, we will jump in. So what we did, I sent a letter to the company called CLIA, organization called CLIA, and I said to them, we have a problem with you and you have a problem with us. And we would like to have a meeting with you. And they immediately reply. They're based in Washington. And they offered us a meeting in Hamburg. And in December 2017, I went over there. And they were all CEOs of all of those major cruise companies. And I showed them a picture. And I said, listen, we have a problem with you. And you have even bigger problem with us. And they said, how come? And I said, listen, do you think that you are giving a good service to your customers when they are working in a pile, one by one, in a tiny city, not seeing anything, cannot enjoy, cannot drink, cannot walk? What kind of service is that? That's poor service, and this is bad for your business. So they said, what is your proposal? And I said, our proposal is we need to change itineraries. And then, of course, this is almost impossible. You know, they have Mediterranean itinerary, and everything is set. I said, I know that we cannot change that within 1 day, but we can do that within 2 to 3 years. So, as a final thing, today, Dubrovnik has not more than 2 cruise ships per day, and we have cruise ships every day. They used to stay just 4 hours in our city. Now they are staying from 8 in the morning to 10 in the night. So this is a great benefit to the economy. And we went from the over-tourism side to the normal tourism, to the experience, enjoyment of our city. The second group were daily visitors, those that are coming with the buses from nearby destinations. When we count the buses, that was around 200 buses per day. Again, one cruise ship counting the number of people, with which we never know how many of them is going to come every day. They were just coming. So we created an application, which is called Bus Web Shop. They have one point where they are coming, and this is in front of our old city. So in order to come there, they need to book a term. And then we set the rule when that term is. So every half an hour, there can be 7 buses. And then we block the days where we see that we have enough of people, and then they have to choose another day. With test, we again lower down the immediate number of tourists in our old city. And the third thing were those people which are standing overnight in Dubrovnik. For us, the most important ones. So it is very hard to reach those people, of course. They are staying overnight in hotels, in apartments, and etc.
But they have an option to choose when is the best time to come in the city. You have over here a chart. Down below you have a calendar where actually every tourist can pick a day within a calendar and can see what is the best time to come in the city. Because if you are staying in Dubrovnik for 5 days, you will not choose the 8th because it says it's crowded at that time. You will choose some other day, which is better way of experiencing the old city. So from our point of view, the crucial thing was information to them. Give them information, what is the best time to come in the city. We went a step further. So we implemented the card, which is called Dubrovnik Pass. What is Dubrovnik Pass? It's a card, when you buy it online, you get entrance in all Dubrovnik museums and the city walls. The price of the card is exactly the same as a singular price for the city walls, and everyone wants to go on the city walls. So what is there? What is the benefit there for us? Because with Dubrovnik card, we can directly contact with the buyer. He or she download Dubrovnik Pass, and then we can send you a message. Not saying do not go to the city from 8 to 12, but rather saying, please, your experience is going to be greater from 6 o'clock afternoon to 8 o'clock at night, and etc. With this, we change the pressure to the city. What we conclude actually is that managing the city, it's not about the numbers. It's about the flow within the day, within the month, and within the year. All of our cities, of course, should welcome tourists because it is a great thing to show the cultural heritage of all of our cities. But the best thing, in order not to put barriers, I'm against barriers. I think this is a bad. Then we are sending a message, you know, it's a block. We are blocking someone to see cultural heritage of the cities. No, do not do that. Give them an option. And with that, we are going to create open cities, cities which are created for the citizens, that create actually that great rich history of all of our cities, but in the same time, citizens as the main figures need to have benefits. So what we did as the benefits to our citizens, at the beginning of mandate, I cut the number of chairs and tables in the old city by 30%, which are standing on the public surfaces, and opened the public spaces to the citizens, because those spaces are there, and we are making bigger corridors, nicer place, etc. They said to me, you're crazy. First, you're going to lose votes, and then you're going to lose income. I said, okay, but on long term, we are going to bring back life. And this is crucial for old cities. Because if we do not think about the citizens that live in our old cities, then cities will become museums. They will not be alive anymore. So sometimes income is not that important. It is at one point, but it's not crucial. The citizens that are living in the old city are the most important figures. Also what we did is all parking spaces around old city. We said we are not going to rent it anymore for the tourists, even though we are making great money from that. No, it's going to be just for them, for those that are living in the old cities. It's going to be just their parking spaces. We also implemented first in the world Dubrovnik smart parking system, where you have more than 3,000 parking spaces on one application.
Why is that important for us? Because citizen does not need anymore to circulate to find around where it's available parking space. You just press and it drives you straight to the first available space. With that, you spare time. With that, you lower down the traffic jams because the one does not circulate around looking and searching for the parking space. Also, what we did is we implemented the car sharing system, giving an option for the one not to take its own car, because there are reserved parking places for electrical car sharing cars. You just go there, take a car, drive wherever you want, leave it there. When you are coming back, again, take a car sharing, and it's easier. What is the benefit of that? It's actually the usage of that parking space multiplies by day and gives more opportunity for the locals and for the tourists, of course, to enjoy. This, I could speak about Dubrovnik case for a few hours, but I have 10 minutes, which is already finished. So once again, at the end of this period from 2017 to nowadays, I can say that we did succeed. There is a lot of things ahead of us, a lot of new adventures, but I would say that finally Dubrovnik now is on good track, and that the project Respect the City is full in power, and the citizens of Dubrovnik recognize it as something that bring their city back to themselves. Thank you very much. Alors, on a eu la démonstration de très belles idées dans le cadre de ces trois objectifs en lien avec le deuxième axe stratégique. Je vous rappelle, renforcer l'habitabilité des centres historiques, soutenir les activités qui régénèrent la ville et requalifier et décarboner les espaces publics. C'est à votre tour de prendre la parole si vous avez envie de nous mettre en lumière des initiatives importantes dans votre ville. C'est le temps de le faire. Je me permets de... Est-ce qu'il y a des gens de Bruges qui sont ici? Parce qu'on a eu un commentaire, entre autres, où on disait qu'il serait intéressant de décarboner justement la ville avec un réseau de chaleur dans les villes. Alors, c'est peut-être une idée sur laquelle réfléchir finalement. J'ai vu un carton, I think I saw, j'ai vu un carton se lever. Ah non? Ah non, j'ai cru voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Vous voulez tellement que je lise vos commentaires sur la plateforme virtuelle, je le sais que c'est ça que vous attendez. Alors, ça me va très bien. Je vais lire quelques commentaires de la part des membres de la ville de Cracovie, où pour le point 2.1, pour celui qu'on a intitulé « Renforcer l'habitabilité des centres historiques », on parle de conserver les produits et services et les petits commerces diversifiés. Évidemment, c'est un enjeu pour bien des villes. Et dans le point 2, on dit de conserver et de créer un espace pour les activités publiques et les soutenir financièrement, des activités de qualité qui vont renforcer les capacités locales pour promouvoir des interventions sensibles et écologiquement neutres. Je veux saluer aussi Colonia del Sacramento pour votre commentaire. On parle de réduire l'activité commerciale ou en tout cas la limiter et promouvoir d'autres centres au sein de la ville qui soulagent la pression touristique du centre historique pour permettre à davantage de citoyens d'y vivre, puisque les entreprises remplacent les habitations et génèrent une pression touristique excessive, et ainsi également d'autres parties de la ville. Alors, ça peut être une option. Et on parle aussi d'augmenter les espaces verts et durables avec une grande participation de la population et augmenter la piétonnisation de plus de rues.
Est-ce qu'il y a une main qui se lève? J'attends une main avec impatience. Je continue avec Ratisbonne, qui, merci beaucoup de votre commentaire. On parle de l'ombre. Je pense qu'on parle de l'ombre des feuilles des arbres, parce que le vert, l'eau, même dans les zones historiques protégées, sont essentielles. Nous avons besoin de processus créatifs transversaux plus forts dans les administrations et d'inspiration internationale. Québec qui dit bravo Dubrovnik, des solutions tangibles. Est-ce que c'est parce que Québec veut gagner la compétition avec le plus gros mot à la fin de ce symposium? Je ne sais pas. Oui, on avait un commentaire? Oui, bon, parfait, allez-y. You can go to the mic. Thank you. Hello, I'm Robert from Krakow. I just wanted to comment on the presentation of the mayor of Dubrovnik, saying how inspiring to Krakow was the presentation he done in Krakow in 2019. And we've developed since that time our sustainable tourism politics, including city helpers, so same concept as it has been presented in Krakow. There is no really management, successful management of over-tourism or really livability of historic towns without inhabitants. So we've created groups of inhabitants, volunteers, and then they got some capacity building programs, and they are paid by the municipality, and they help to navigate, to work in the public space, reaction on some rude behaviors from, let's say, tourists. They are coming just for stag parties to Krakow, but also serving as an information where to go, what to visit, where to go outside of the historic center. Because livability of historic towns, this is a subject, how to bring inhabitants back to the centers, which is a huge challenge, but also how to give tourists more information what is worth it to see outside the center. Just they don't feel that the only heart, UNESCO zone, this is the only thing to offer. And Michał Krasucki from Warsaw said how huge in Poland is the potential of the 20th century architecture, even totalitarian architecture connected with period of the communism, but it's regarded now as a common heritage of, let's say, young generation, very popular amongst creative class. So that was one of the example. And another thing, when we have squares in historic towns overcrowded, full of people. So there is a nice example from Krakow. Recently, mayor of Krakow and city council decided to purchase 15 hectares of former hospital district, where we have historic buildings from 18th, 19th century, in total 30 buildings. And we are going to create their sustainable, climate neutral district dedicated to creative industries, but also with social functions, and new square, but green square, in opposition to, let's say, squares from stone in the concrete in heart of the city. And we believe that it will, first of all, show completely new responsibility and new approach to historic cities, that it will influence, but in very positive way, use of the historic town. So three examples, and the very last one that was widely discussed during our regional secretariat yesterday, and I know that Central Europe secretariat also were talking about that, a traditional craft, little addresses, bookshops, cinemas. We don't have really tools how to protect this, those functions in the historic towns. And Mayor of Quebec also mentioned that during one of his speeches. So
cities, even historic towns, heart of our cities, should be livable when they will protect their local hood, their diversity. And we need to find some good examples, good practices from different side of the world, how you managed such things. Thank you so much. Si vous avez des exemples pour réagir, je vous rappelle que vous pouvez le faire avec plaisir. C'est toujours très, très inspirant de vous entendre parler des initiatives mises sur pied dans vos villes. D'ailleurs, on parle encore de l'expérience de Dubrovnik qui est inspirante pour le Vieux-Québec. Les citoyens ont le même objectif, ce n'est pas d'éliminer le tourisme, mais de le contrôler un peu pour améliorer la qualité de vie des résidents. Et je pense que c'était un peu l'essence du message. Je salue aussi la ville de Oaxaca, où on dit qu'il est impératif que l'espace public soit inclusif, avec une accessibilité universelle et avec une perspective d'équité entre les sexes, l'âge et la condition, en favorisant la plantation d'arbres et les trottoirs perméables. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires pour ces trois objectifs en lien avec le deuxième axe? Oui, vous pouvez prendre le micro. Merci. Oui, merci pour ces exemples effectivement très éclairants et qui peuvent effectivement nous donner des idées. Moi, j'ai une question par rapport aussi complémentaire par rapport à tout ce que nous nous sommes dit. Est-ce que vos villes sont confrontées à la question de la pression immobilière, justement, du fait même de la préservation du patrimoine, et donc, du coup, la transformation de logements en location Airbnb, qui, quelque part, déséquilibre complètement la composition de la population au centre-ville et qui est un vrai sujet? Je ne sais pas si vous avez évidemment tous compris la question. J'ai vu des têtes qui font ça. Peut-être des gens veulent renchérir les fameux Airbnb dans les villes historiques. Oui, monsieur le maire de Dubrovnik, allez-y. Yes, you can. Yes, very, very important, actually, as Airbnb as one of providers, which is still working in Croatia illegally, so we are fighting with their system. There are pluses and minuses, I would say. Why there are pluses and minuses? If someone rents part of its own house in which he or she are living, that is great, you know. There, it's going to keep them there, to live there. These are pluses. But the minuses is if someone is leaving its living place, going back somewhere in the village for the season time, in order to rent apartment or house to get a greater income. It's very hard to fight against that. But again, sometimes we do ask ourselves, why someone wants to live and actually in the older city part. It's very hard to live there, you know. It's not accessible. It's loud. There is a music. The restaurants. So many minuses. But there is one plus which is greater than all of those minuses. It's their birthplace. They love it. So from our part of view, we are working on these cases when they are renting their homes and living somewhere else, in forbidding that. And on the other side, giving an option to rent part of the home and to live in the other part of home and to give them a benefit for that. Lower the taxes on that. Give them lower taxes in order that they can make some money. We were speaking also about, you know, the craft businesses which are happening in the old cities, like shoemakers or different entrepreneurial things that actually
are going out of the old cities just because the souvenir shops and the quick business is taking over. Do you know what we are doing in the city of Dubrovnik? We are giving zero lease for all of those old entrepreneurs to work there. You know, we faced at one point that there is no person that can fix the watch in the old city. No one's doing that anymore. No. The small grocery stores and etc. So then we give them a place for free. And on top of that, we are giving them monthly money to work there, to be there. The haircutter. There were no haircutter in the old city of Dubrovnik. So we found one, we give him a space, and we give him money, monthly wage, in order to be there. Because he is a part of the live city. Thank you. Merci pour ces idées. Thank you. Thank you. Je termine ce bloc avec un dernier commentaire et nous pourrons passer aux trois derniers objectifs pour cet après-midi. Un commentaire de la part de Bordeaux avec le plan de plantation et la trame verte. La trame verte qui a pour ambition de proposer à tous les espaces communs climatisés par la densification de la végétation qui peut faire descendre la température de 3 à 5 degrés. Cette trame verte participe à la restauration de corridors de biodiversité et elle vise aussi à végétaliser et à perméabiliser les réseaux des rues qui permettent de forts enjeux de ruissellement des eaux de pluie. Alors, je voulais terminer aussi sur cette initiative. Il nous reste, comme je viens de le dire, trois objectifs opérationnels à aborder dans cette deuxième session. Oh, on avait un autre commentaire, mais oui, certainement. Je m'excuse, je ne vous avais pas vu. Allez-y, you can go, allez-y, avec plaisir. Tout simplement sur la question du Airbnb, qui est aussi un grand défi à Bruxelles. Et on est dans un réseau avec d'autres villes européennes pour faire du lobbying auprès de la Commission européenne. Parce que pour nous, tout seul, en tant que ville, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais on a une réglementation. Mais ce qui nous pose surtout problème, c'est l'Airbnb illégal. Et donc, on a constaté qu'il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans et qui achètent des immeubles entiers et qui mettent les locataires dehors et qui utilisent tous les appartements pour faire du Airbnb. C'est donc surtout ce qu'on ne veut pas. Mais on n'a pas de problème avec... Allez, on a une réglementation autour du Airbnb qui n'est pas respectée. Mais pour pouvoir vraiment faire... On fait des contrôles. On a des contrôleurs qui passent dans les rues, qui font des PV quand il y a des logements qui sont utilisés en tant qu'hébergement touristique pendant l'année. Mais on voudrait surtout contraindre Airbnb à partager leurs data avec nous et aussi à mettre sur leur site web uniquement les Airbnb qui sont reconnus par la ville ou par la région. Et ça, ils ne veulent pas du tout faire à l'heure actuelle. Et je pense que c'est dans toutes vos villes un peu la même chose. Et à l'heure actuelle, la Commission européenne travaille à une législation pour mieux gérer tout ce qui est ces short-term rentals. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. C'est surtout, nous, on s'est regroupé avec certaines villes pour faire du lobbying, mais Airbnb fait beaucoup de lobbying eux-mêmes aussi, et donc ils sont assez agressifs dans leur lobbying auprès de la Commission européenne. Donc, on attend avec impatience cette législation, qui, espérons, va nous aider à mieux restreindre Airbnb dans nos villes. Eh bien, ça, c'est vraiment pour l'Europe, mais pour nous, c'est une étape importante parce que sans cette législation européenne, on est assez limité dans ce combat. Merci. Merci. Alors, c'est vrai, je vais prendre un dernier commentaire pour ce bloc. Et Madame la mairesse, on s'en vient. Ce ne sera pas long. À vous. Excuse me. I'm Dries from the city of Bruges. I would also add something because the tourist topic and heritage is also in our city a very big issue. To comparison, we have about 120,000 inhabitants. We have annually about 8 million visitors. So that makes the
that there are these figures. So we have actually a package of tools that I also want to share, and I think it combines with the topics of the other speakers. First of all, about tourism shops, we have, and that's brand new, a new tool for our inner city. So we have made the selection street by street, and how much shops and what type of shops that are allowed. So this is a big thing, and we can only suggest to do that for other cities to make such an exercise, to make the balance, and actually we use, I don't know, is the right word in English, a barometer? I'm looking to the colleagues. Barometer, yeah, like the weather measurement. We keep on track, and we adjust the figures each year, actually. So this is one tool, but on the other hand, we have also other older tools, like our hotel stop. We don't allow new hotels in our city for about 20 years already. So that's because we want to add more value for our inhabitants. So if you don't have the hotel stop, I think the historical city of Bruges will be full of hotels. So that's why we have a hotel stop, and that's quite hard for new attractions or new concepts of hotels. But that's really something we care about, or a hotel stop. And something new, the last tool is about holiday homes. It's something we put on. Put on the legislation 1 year ago. The holiday stop, or the holiday homes, are stopped in the inner city as well. So it's quite about regulations. We know we are not so happy to do that only with regulations, but sometimes we cannot stop without doing or shifting to regulations. So it's reach out in the hands to other cities, because. Yeah, we have a lot of experience in managing our tourism in our city, but maybe we can share those experiences a lot more with other cities around here. So, just some adding. Thank you, merci. Alors, pour les trois derniers objectifs opérationnels en lien avec l'axe stratégique numéro 3, je vous les nomme. Ils se sont créés un dialogue permanent entre tous les acteurs, co-construire et co-gérer les projets urbains, utiliser l'intelligence du territoire au service des pratiques publiques. Alors, pour ce faire et pour en discuter, j'invite la mairesse de Tunis, Mme Souad Abderrahim. Merci beaucoup, notre animatrice, facilitatrice. On est fascinés par votre façon de gérer cette réunion. Merci beaucoup, merci pour tout. Monsieur le secrétaire général de l'OVPM, monsieur Michael, je vous remercie énormément pour l'organisation, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez facilité notre mission. Merci à vous ainsi qu'à votre staff. Monsieur le maire... Monsieur le maire de Québec, Monsieur Bruno Marchand, je vous félicite pour votre modestie, pour votre engagement, pour votre volonté d'être maire de Québec. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les maires des villes membres de l'OVPM, honorables présents, je voudrais tout d'abord exprimer l'immense plaisir que j'approuve d'être aujourd'hui présente au Québec pour participer aux travaux du 16e congrès de l'OVPM. Et je profite de l'occasion aujourd'hui, en célébrant la journée de solidarité, pour remercier la ville de Montréal. Je ne peux pas être au Canada sans remercier la ville de Montréal et la mairesse, Mme Valérie Plante, pour sa solidarité avec la ville de Tunis pendant la crise de COVID-19. Et je rappelle que notre accord de coopération entre nos villes reste toujours signé d'amitié. Je suis fière et ravie
que la ville de Tunis a été associée à la mise en place de la feuille de route de Québec en contribuant à l'élaboration de contenu de symposium dans le cadre des ateliers thématiques tenus depuis le mois de mars 2022 et l'identification des axes stratégiques à partir desquels il y a eu l'adoption de 9 objectifs communs permettant d'améliorer la qualité de vie dans les villes du patrimoine mondial. Dans ma ville, Tunis, de 13 siècles d'existence, et je vais vous présenter par la suite quelques monuments dont 700 sont à Tunis. Mesdames et messieurs, la troisième étape serait de l'ordre opérationnel en vue de la mise en place d'un nouveau projet urbain émanant de la coopération entre les villes membres et qui aura pour ambition la mise en place d'une nouvelle approche co-constructive de la ville. Patrimoine mondial, une ville inspirante, résiliente, inclusive, sûre, accueillante, habitable et écologique. Et c'est dans cette perspective opérationnelle que la ville de Tunis a présenté une proposition d'action sur le terrain dans l'ancien quartier consulaire de la Médina. Le choix de ce quartier n'est pas fortuit. En effet, sa situation dans la partie basse de la Médina de Tunis est aux portes de la ville européenne, donnant sur la place de la Victoire, porte de France que vous voyez actuellement, lui confère un statut assez spécifique d'être une frange charnière entre le tissu médinal, dense et traditionnel, et un tissu urbain européen composé essentiellement d'immeubles et de bâtiments historiques et d'anciens consulats dont l'état de délabrement est assez alarmant. Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une opération de revitalisation et de requalification urbaine permettant l'amélioration de cadre de vie de tout un quartier qui jadis avait une grande importance et influence sur la vie politique de la régence de Tunis depuis le XVIIe siècle. Il permettra, en outre, la réintégration de quartiers dans la nouvelle dynamique urbaine et sociale et offrira de meilleures conditions de vie pour mieux vivre. Dans le centre historique et redonner vie à la mémoire et l'histoire d'un quartier emblématique. Cette opération permettra, en outre, de renforcer et d'enrichir le parcours urbain au niveau des axes principaux de la Médina, hébergeant essentiellement les monuments historiques déjà restaurés et les souks environnants par la création du parcours urbain, le parcours consulaire. Mettre en valeur la place de la Victoire, principal accès au centre historique depuis la Porte de France. Mettre en place un projet pilote intégré favorisant la valorisation et la renaissance des bâtiments restaurés et mis à la disposition des artisans et des habitants ainsi qu'aux visiteurs et aux touristes. Comprendre les dynamiques économiques actuelles correspondant aux réalités d'occupation du territoire de la Médina et de rétablir l'équilibre de la morphologie urbaine propre de la Médina et qui se base sur la contiguïté et la complémentarité entre les différents équipements et les habitants. Retrouver la cohésion sociale et économique dans la Médina, certes depuis quelques années en déclin. Réconcilier les jeunes, et j'insiste sur les jeunes, avec leur patrimoine et les inciter à découvrir de nouveaux champs d'apprentissage et de travail et à renouer avec le savoir-faire ancestral des maîtres artisans. Promouvoir le concept de patrimoine culturel matériel et matériel et sensibiliser la population locale à la valeur de son cadre bâti et de son environnement immédiat et offrir une alternative au tourisme de masse en initiant un projet profitable à l'économie locale de quartier. Mesdames et messieurs, la concrétisation de ce projet
ne peut se faire qu'avec l'implication et l'engagement. L'engagement de tous les acteurs locaux et essentiellement les habitants et de la population, l'approche participative, qui sont leur collaboration étroite et leur concertation, le résultat de l'action ne sera probablement satisfait. De ce fait, il ne faut jamais oublier que tout héritage ou patrimoine historique est le fruit de tout un vécu des populations locales en perpétuelle mutation et que le sauvegarde et la préservation des centres historiques passent par ces mêmes populations. Dès lors, ces actions opérationnelles nous poussent à réfléchir autrement pour aborder le sujet de sauvegarde de patrimoine bâti, qui est généralement habité, squatté par des familles à faible revenu ou des petits artisans. Sans oublier les problèmes fonciers de copropriété qui compliquent et bloquent la réalisation des projets. C'est pourquoi la mise en place d'un processus participatif de co-construction et de congestion avec les acteurs locaux est primordial pour la bonne gestion et la pérennité des projets à réaliser. Et ceci donnera l'opportunité aux gestionnaires des centres historiques de relever les défis et de chercher les réponses adéquates lors de la planification urbaine de leur ville et d'initier de nouvelles pratiques innovantes et créatives pour que ces villes puissent être résilientes et offrent une nouvelle image inspirante, vectrice de valeurs fortes, favorisant l'entrepreneuriat social et solidaire, l'innovation et l'inclusion sociale, économie verte et écologique. Et là, c'est l'humain à l'urbain, à la nature, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Secrétaire général. Je ne peux pas clôturer sans rappeler que pour avoir des pays forts, il faut des villes fortes. Ceci nous renvoie aussi à l'importance de la diplomatie des villes, qui est une diplomatie résiliente, concrète et liée aux intérêts des citoyens. Mesdames et messieurs, je vous réinvite à visiter mon pays, ma ville, Tunis capitale, et aussi la ville de Djerba, ville touristique, culturelle, inclusif, de vivre ensemble, de cohabitation, en marge du sommet de la francophonie. La Tunisie est au cœur de la Méditerranée, le portail de l'Afrique et au bord du Sahel, et contient ensemble à préserver les valeurs universelles face aux crises et pour trouver les solutions les plus adéquates. Finalement, je réitère l'engagement de la ville de Tunis pour relever les défis, offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens et aux usagers, consolider les nouvelles orientations stratégiques de l'OVPM, partager les expériences avec les villes membres de l'OVPM et enfin d'être en diapason avec les résolutions de symposium. Oui, on agit ensemble. Oui, je m'engage. On s'engage. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà rendu la dernière période où vous avez la grande chance de prendre la parole. Ceux et celles qui n'ont pas pris la parole encore, c'est le temps de le faire. J'avais dans mes notes, Madame Persoons, est-ce que vous vouliez dire un mot en lien avec ces trois objectifs? Oui, d'accord. Merci. Hello. I will do it in English this time. And don't worry, I won't talk too long because I can feel that everybody's very eager to go outside and enjoy some daylight. I was asked to talk a bit about what we do to fight empty floors above stores in the historical center of Brussels. But before going into that, I would like to paint the bigger picture. In Brussels, we have invested a lot in redoing public space these last years, and the city has become more and more attractive. And for me,
I can feel that all political parties are on the same train. Everybody knows that we have to create more squares, that we have to make greener cities, and it's a bit of a general consensus, and I'm quite sure that we will manage that challenge. But what we also see is that prices have gone up in Brussels quite impressively these last 20 years. We're not as expensive as the neighbor cities of London and Paris or Amsterdam, but it's something to be aware of. And if prices go up, there's something you really can't accept in a city, that buildings are left empty and floors are not all taken care of. And so we have in the city of Brussels, on the entire territory, we have a taxation for buildings that are abandoned or neglected or not occupied, and that works quite well because we had a lot of speculation, and so the taxation has helped to fight that. And now I'm going to zoom in a bit again and go back to the Grand Place and the streets around the Grand Place. So that's our buffer zone around the World Heritage that we have. Those streets are also called l'îlot sacré, and the streets are they have houses that are houses of the 18th century, shops on the ground floor and two floors above that commercial zone. And in the past, in those houses that are very narrow, you had the owners living on top of the shops. And nowadays, that's not the case anymore. So often those floors are empty. And we have tried with some financial aid to convince them to do the necessary works and ask for the necessary permits to make sure that people are actually starting to live again above those shops. And it wasn't really that successful. And so the new thing that we're trying right now is to have, we have an architect that we, that all the people who want to make those floors accessible can use. And why is it important to have an architect? Because I already said before that the houses are very narrow and often they have only one access, they have only one door. And if you want to have separate apartments, there need to be another floor. So if you're in a historical zone, you can imagine that creating a new access is not that easy. So we have designed, an architect that will help them to design the plans and ask for the necessary permits and design something that is acceptable for us, the city, to create a second access and make use of those floors again. So that's something that we're trying out. It's quite new, so I can't say yet if it's going to be successful or not. Of course, and that's to make the link with what we said before, if those apartments are if we're going to be able to use them again, it's also important that they will be used for inhabitants and not for tourists. So I think these measures go hand in hand with fighting Airbnb, because we really want the city centre not to only be a place for tourists, but also for inhabitants. And it was said before, a city is more attractive when there are also inhabitants living in the city centre. For us, that's one of the major challenges. So I hope we'll manage with this extra with this architect to help making those floors accessible for apartments and living. Thank you very much. Dans ces objectifs-là, le créer un dialogue et de co-construire et co-gérer, je sens que ce sont vraiment des mots qui sont forts dans vos commentaires sur notre plateforme virtuelle. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient, oui, commenter? Oui, ici, vous pouvez aller au micro, effectivement. Merci. Dans un premier temps, je voudrais formuler une remarque concernant un certain nombre de thèmes qui ont été formulés lors de cette discussion. Moi, j'invite mes amis maires élus à lire l'ensemble des résolutions des différents congrès de l'OVPM. C'est très important. Il y a des sujets qui ont été traités, par exemple le tourisme et les tissus anciens. C'est un sujet qui a été traité au niveau d'un congrès de l'OVPM, et à mon avis, la résolution est très importante.
À travers mon intervention, je voudrais soulever deux questions qui me paraissent relativement importantes. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de rechercher une recette qui pourrait servir pour nos tissus anciens. Moi, je dis que les problématiques ne sont pas les mêmes partout. Moi, je pense que dans certains pays, les problématiques sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a la poussée démographique. Nous assistons à une poussée démographique relativement importante dans nos pays. Nous assistons à un habitat insalubre, à de l'habitat qui tombe en ruine, à un certain degré de pauvreté. Mais tout ça, ce sont des critères qui font qu'on ne peut pas apporter des solutions générales à nos tissus anciens. J'ai une petite remarque concernant l'approche participative. D'accord, on est d'accord pour l'approche participative, mais dans quel cadre juridique ? Moi, je voudrais qu'on parle du cadre juridique. Moi, je pense qu'une ville, elle est gérée par des élus, et l'approche participative, ça veut dire quoi ? Qu'on va demander à la population de prendre des décisions à la place des élus ? Donc là, il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut définir le cadre juridique de cette approche participative. L'axe numéro 3 me paraît le plus important relativement. Pourquoi ? Parce que dans cette approche systématique, c'est là, à mon avis, où il y a un certain nombre de résolutions. L'approche 3 nous demande d'approcher la ville ancienne d'une manière globale. Et moi, je pense que la faute, un certain nombre d'erreurs sont faites au niveau de nos villes, c'est qu'on essaie de résoudre un certain nombre de problèmes c'est-à-dire au niveau de la ville, au niveau d'un tissu ancien. Or, la plupart des problèmes de nos tissus anciens, moi, je pense qu'ils trouvent leur solution dans la ville, dans la globalité, dans sa globalité. Je prends l'exemple de la circulation. On ne peut pas parler des problèmes de circulation d'une médina dans une ville, par exemple dans ma ville, sans parler d'un PDU qui peut être fait au niveau de la ville entière. On ne peut pas parler d'habitat qui tombe en ruine sans parler d'une politique générale de la ville, peut-être d'une politique nationale concernant la résolution de l'habitat insalubre. Donc moi, je pense que cet axe me paraît relativement important et je trouve qu'il est très, très intéressant. Je félicite l'équipe qui a travaillé sur ça et qui a développé cet axe qui me paraît très, très important. Je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait des derniers commentaires avant la conclusion de cette journée? C'est vrai que vous avez hâte d'aller voir s'il fait beau dehors, c'est ça? Ah non, j'ai un dernier commentaire ici. Allez-y. Gracias. Voy rápido. Quiero felicitar al alcalde de Dubrovnik. Palabras importantes que mencionó en su exposición, la voluntad política. Él puso en valor, él puso un contrapeso, decir, bueno, o son votos o es una decisión a futuro para un beneficio de la ciudad. Él le apostó a poder hacer una acción que beneficie a su ciudad. Creo que a veces la voluntad política no se encuentra tan constantemente en las ciudades en favor de la protección del bien patrimonial. Por otro lado, se acaba de mencionar en la última intervención el marco normativo que le dé certeza a las acciones, a los programas
de defensa y de continuidad por las próximas administraciones en la protección del patrimonio. No sea nada más una acción temporal. Cuando pasamos de esa acción a una normatividad que se vuelva vinculante y se vuelva vinculante y obligatoria para la autoridad, por los siguientes años va a ser una acción permanente en beneficio de la autoridad. Creo yo que el establecimiento de un sistema de gestión para los sitios patrimonio es muy importante, obviamente con la participación ciudadana de manera continua y donde la participación de la autoridad siempre sea constante, una constante, para poder retroalimentar tanto a la ciudadanía y la autoridad poderse retroalimentar de la ciudadanía para las mejores acciones, programas y beneficios que pueda tener la protección del patrimonio mundial. La cogestión de los sitios a través de las administraciones del uso del suelo, a través de instrumentos de planeación, es muy importante y su actualización es muy importante. A veces los casos de en América Latina y el caso particular de México, realmente nos hemos rezagado mucho en la normativa nacional. La Ley Federal de Protección de Zonas y Sitios Arqueológicos y Monumentos tiene 50 años, casi la misma edad que tiene la Convención del Patrimonio Mundial. No se ha actualizado y no se ha reformado para que las autoridades locales puedan contener todo el cambio y la dinámica de la conservación y de la presión que requieren ciudades tan dinámicas como las ciudades en México, ciudades tan grandes como Puebla, Querétaro, Morelia, la propia Ciudad de México. Bien se mencionaba, las ciudades son tan diferentes y tan diversas, pero bueno, ese es el reto que debemos de tomar desde el punto de vista de las autoridades y el ejemplo, como lo mencionaba en un principio Dubrovnik, de poner en una balanza qué es más importante, un beneficio en corto plazo, que son votos, una continuidad desde el punto de vista político, pero, y por otro lado, una decisión que beneficie a la ciudad por las generaciones venideras. Y nada más concluyo diciendo que debemos de aterrizar de manera local. Si la autoridad nacional, el Estado parte, que representa en el contexto internacional a los sitios patrimonio mundial, las autoridades locales tenemos un compromiso de aterrizar las directrices prácticas de la Convención para la protección del patrimonio mundial, llevarlas a cabo en nuestra reglamentación local para que no sean acciones temporales, sino permanentes. Muchas gracias. Merci beaucoup, gracias. Alors, c'est le temps, on est rendu à la conclusion finalement de cette première journée de symposium. Je vous rappelle qu'il reste une session, mais ce sera demain matin. Mais pour faire un peu la synthèse de cette riche journée, j'invite le secrétaire général, M. Michael de Tise, à monter sur scène. Maintenant, je sais comment le chronomètre fonctionne, alors je vais essayer d'être court. Ah oui, et je vais me rapprocher du micro. Voilà, vous voyez, j'apprends. Je rebondis sur ce que disait le représentant de Querétaro. Effectivement, il faut travailler à différents niveaux, il faut consolider ce que les villes peuvent faire, doit se répercuter, être consolidé au niveau supérieur, national, international. Et ce à quoi on assiste, ou ce à quoi on aspire ici à l'OVPM, c'est justement de jouer ce rôle dans cette inversion quelque part. Parce que dans le domaine du patrimoine, souvent, les directives ou les principes sont venus du haut et vous sont un peu tombé dessus, donc vous êtes requis d'appliquer ces références. Et là,
ce qu'on se dit, bon, la question de la mise à jour de ces textes, de ces références, de ces principes, c'est à vous aujourd'hui de le faire. J'aurais tendance à dire, n'attendez pas que ces instances internationales le fassent. Vous voyez, j'ai fait quand même 30 ans au Conseil de l'Europe, donc c'est bien connu comme une usine à traités et à conventions internationales. Donc, quelque part, je sais de quoi je parle. Donc, c'est ce à quoi aspire l'OVPM. Et on a ici la présidente du CIVI. Donc, c'est aussi CIVI, c'est comme ça qu'on dit, hein, Paula. Bon, pardon. Donc, ce sont des partenaires naturels. Et donc, je pense qu'on a une dynamique possible où, justement, on pourrait accompagner les maires dans cette révision, cette mise à jour, cette approche pragmatique des choses. Et on voit donc fleurir aujourd'hui un ensemble de questionnements, d'expériences, bonnes ou mauvaises, mais là on a entendu essentiellement que les bonnes. Et donc surgit aussi la question des bonnes pratiques. Donc là je rejoins aussi ce que disait Mathias un peu hier, on se rend compte du travail qu'on va avoir à faire chez nous d'abord en termes d'identification justement de ces expériences, de ces problèmes, de ces questions qui se posent, d'identifier ces outils. J'aime mieux ce que disait aussi le représentant de Bruges, j'aime mieux cette approche de identifions les bons outils plutôt que les bonnes pratiques. Ça a toujours été un concept un peu galvaudé. Qui détermine que c'est une bonne ou une pas bonne pratique? Donc ça peut être une bonne pratique quelque part, mais pas une bonne ailleurs. Donc ça c'est des... On voit la force potentielle de l'OVPM. Et on a, évidemment, avec cette deuxième session, on voit aussi se renforcer en quelque sorte la structure qui vous a été proposée. Donc la vision politique a été validée ce matin. Les objectifs proposent un cadre qui fonctionne visiblement. Donc vos interventions s'inscrivent dans ce cadre qui est donné. Mais on ne va pas s'arrêter à ce cadre ou à cette structure. Donc c'est simplement le squelette qui est proposé. Et je pense que dans une forme de travail comme ici, le symposium, on peut difficilement aller beaucoup plus loin, mais on ne veut pas non plus tomber dans une série de conférences et autres forums, parce que, comme le disait aussi ou le suggérait le représentant de Marrakech, tout a certainement été dit au moins une fois, sinon plusieurs fois, dans les multiples colloques et traités, etc. Donc on sait, on connaît ces principes. Ce qui manque, c'est la mise en œuvre. Et donc c'est l'hypothèse qui est proposée par l'OVPM d'offrir les outils ou les processus qui permettront aux villes de mettre en œuvre, de tester et d'expérimenter. Ce qui était intéressant, ce qui ressort des discussions aujourd'hui, où est-ce que j'en suis là ? C'est bon. Ce qui ressort des discussions aujourd'hui, donc c'est cette question de la réappropriation. Donc là on sent aussi quelque chose qui se prépare, qui émerge, qui se revendique, donc la réappropriation par les habitants, la réappropriation par les citoyens. Ça procède aussi de ce qu'on a pu indiquer dans le document, donc ce processus de patrimonialisation, donc c'est le processus par lequel les citoyens se réapproprient ou font le patrimoine, et qui est le germe, à mon avis, non pas de l'information, de la concertation ou de la participation, mais véritablement de la co-gestion, de la co-participation. Et ça me semble être une promesse de facilitation pour les maires, pour faire accepter certains projets, donc d'utiliser cette énergie de la patrimonialisation. Donc on joue avec ces domaines-là, donc se dessine donc la structure et les directions qui devront être développées dans la feuille de route. Et l'émergence de toutes ces idées, donc on peut donner une vision de ce que ça donne pour l'instant. Donc il y a cette espèce de fleurissement autour du,
de la structure. Donc ça, c'est toutes vos contributions. Donc vous voyez un peu les associations qui se font en fonction des couleurs. Donc on va rentrer dans notre code petit à petit, on va se l'approprier, ça va devenir familier. Donc ça donne déjà un horizon qui s'élargit considérablement. Félicitations pour ce travail-là. Encore une fois, ce sont des pistes. Donc moi j'entends bien que c'est une commande. Donc le secrétariat va devoir traduire ça en action et en expérimentation. Donc on sent les projets pilotes qui se dessinent, mais avant ça on sent surtout, me semble-t-il, des centres d'intérêt qui s'affirment et autour de ces centres d'intérêt peut-être des ferments d'alliances ou des débuts de réseaux collaboratifs. Donc c'est ça qui se prépare. Donc c'est la direction que devra prendre la feuille de route. Et donc c'est déjà des indications importantes pour la discussion de demain sur la feuille de route. Bon, j'ai pris évidemment des tas et des tas de notes. Donc il y a beaucoup de choses. Et dernier point que je voulais souligner, on avait joué aussi dans le document sur cette question de bonne gouvernance. Et le maire d'Evora n'était pas très chaud sur le terme, donc on avait cherché gouvernance systémique. Et comme l'exemple de Dubrovnik, donc j'aime bien l'idée de gouvernance éclairée. Le rôle finalement déterminant des maires à déclencher les choses, donc d'avoir un accompagnement du pouvoir public finalement, mais de laisser faire les choses pour autant que ça soit encadré. Donc il faut un cadre juridique, il faut des pratiques urbaines, mais il faut surtout des leaders qui savent faire confiance à cette force du terrain, donc à ces processus de patrimonialisation. Donc là, on dégage aussi certaines directions à donner à cette nouvelle gouvernance qui reste à définir et qui reste à expérimenter. Donc là aussi, il y a des promesses de projets pilotes très intéressants. Donc, bon, voilà, j'essaierai pas plus d'aller plus loin dans les synthèses, mais en ce qui me concerne, c'est extrêmement enthousiasmant. Et donc, demain, on pourra, mais là, je vais laisser Isabelle donner le ton, mais on est déjà, donc, plus on avance dans le processus, plus, évidemment, vous vous exprimez sur les actions à entreprendre, plus ça devient clair. Et donc, dernière chose, je voulais remercier la bonne grosse douzaine de villes qui avaient participé à l'étape 3 en route vers Québec, donc qui avaient fait émerger ces idées d'action, et tout ça se confirme. Donc j'espère que vous êtes contents aussi de la contribution et du moteur que vous avez apporté à cette réflexion, et vous voyez que effectivement vos préoccupations se retrouvent grandement dans toutes les villes, mais il y a encore plus de pistes qui ont émergé aujourd'hui. Donc le processus continue, prend de l'ampleur. Demain, vous déciderez de la forme et du contenu de ce cadre opérationnel qu'on appelle de nos voeux. Et je suis curieux de voir dans quelle direction on va aller. Mais en tout cas, la pression est certaine. Mais c'est avec très grand enthousiasme qu'on va donner suite à cette pression. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Detize. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, des fois, après une journée comme ça, il y a eu plein d'idées, vous avez la tête remplie. Vous allez peut-être avoir envie de commenter sur la plateforme virtuelle. Elle est toujours ouverte. Nous ne la fermons pas tout le long du congrès. Alors, vous pouvez continuer à mettre vos commentaires, même si c'est ce soir. Je sais qu'il y a un souper, là, mais s'il y a une idée qui arrive et que vous vous dites, j'aimerais apporter ce sujet-là sur la table, vous le mettez sans souci dans notre plateforme virtuelle. Je vais arrêter de dire visuelle, ça fait 3 fois que je le dis. Je pense que je suis fatiguée. Alors, je prends quelques secondes pour vous remercier et je vous rappelle aussi que nous vous attendons ce soir au magnifique Musée national des beaux-arts du Québec pour un souper sous la présidence d'honneur du ministère des Relations internationales et de la francophonie.
Donc, il y aura toujours ce service de navette. Hein. On peut vous prendre à l'hôtel à compter de 17h45 et on vous conduit finalement au musée. Alors, je vous souhaite de profiter des quelques heures devant vous et on se retrouve ce soir. Au revoir.